Salut les amis, alors comment on se retrouve aujourd'hui? Écoutez, confinement, mais pas confiné du tout. Aujourd'hui, bah écoutez, petite vidéo, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on va se priver de faire des vidéos. J'ai la chance de vivre pas loin des collines du sud, donc on va dire qu'elles sont à moins d'un kilomètre de chez moi, donc je me trouve directement dans la colline pour pouvoir vous partager ces vidéos et pouvoir vous partager mon nouveau bébé qui est ici, que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, on va y aller, on va le voir de plus près. Et voilà le nouveau bijou, le nouveau bébé. Vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, ma balade coincée à 2000 mètres dans le verglas. Écoutez, ça va se reproduire, hein, c'est sûr, mais bon, pas tout de suite. Vu qu'on est confiné, je peux pas m'éloigner, mais je peux quand même vous partager cette belle portion de nature, hein, voilà, qui est déjà pas mal. Bon, ben, que dire de cet engin? Que dire? À part que c'est une bête de course, mais pas une bête de course pour aller vite. C'est une bête de course pour franchir les plus grands obstacles qui existent aux deux roues. Alors il faut savoir que c'est un maxi-trail, pour ceux qui ne connaissent pas. La 1250 GS, c'est un maxi-trail, elle pèse 240 kg. Voilà. Avec le plein et les trois valises, on avoisine les 260, hein, quasiment. Donc voilà, ben pour moi, c'est la meilleure moto qui existe. Après, chacun sa version. Chaque motard a sa moto. Ben moi, c'est la 1250 GS. Voilà, ben elle est ici et j'en suis le plus heureux du monde, hein. Je suis comme un enfant, en plus demain c'est mon anniversaire, je sais pas si la vidéo sera publiée avant mon anniversaire, mais bon voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire, il est là, le plus beau cadeau que je puisse avoir eu depuis ma naissance, hein. Bon, sauf ma PlayStation quand ma mère me l'a acheté, c'était magnifique aussi. Voilà, on a la ligne Acra, pas complète, seulement la cartouche. J'ai pas la ligne complète, pourquoi? Ben parce que je sais pas le nombre de décibels que ça fait. Et vu que je dois faire le tour d'Europe, je sais qu'en Suisse il y a des radars des radars sonores. Donc voilà, on va éviter, hein, de se prendre des amendes pour la sonorité de la ligne. Donc ensuite, ben, casque GS, voilà, casque BMW avec petit intercom BMW aussi. Voilà, petit intercom BMW, la veste pareil, BMW. Je sais pas, j'aime trop être assorti en fait. Bon, voilà. Il faut être équipé en tant que motard. Équipez-vous les gars, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Parce que ce signe, c'est le meilleur. Voilà, ben ensuite, barre de protection Wunderlich. Tout a été commandé sur Wunderlich. J'ai tout monté moi-même. Que ce soit les grilles de phare, les petits feux à LED, les grilles de feux à LED, les barres de protection, les protections des clignotants. J'ai pas encore reçu ceux de l'arrière, mais je vais les recevoir, je vais les monter. Voilà, donc renseignez-vous sur Wunderlich, ceux qui ont une 1250 GS ou une 1200 GS, ou voilà. De toute façon, ça fait tous les BMW. Hein. Wunderlich, c'est complète your BMW. Donc voilà. Mais écoutez, on va se retrouver pour un peu de off-road, hein. On va voir ce que ça donne. A tout de suite. Conseil de Tom Barrett. Thank you.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas les bons pneus, donc on va pas s'aventurer beaucoup plus, hein, on va pas massacrer la moto quand même. Voilà, vous voyez, hein, j'ai les pneus route, bientôt les pneus enduro, et là on pourra en faire beaucoup plus. Ah, on fait une barrière, frère. Hop. Enduro. Et on finit dans la colline. Écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir de vous partager ma passion avec vous. Ah, comme je l'avais dit, j'ai beaucoup de passion, la nature, les animaux et bien sûr la moto. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent, parce que moi ce qui me plaît, c'est de vous amener avec moi dans les endroits où je vais et les endroits que je vais découvrir. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma jeunesse, j'en ai peut-être pas eu l'occasion ni les moyens. Aujourd'hui j'ai dépassé la trentaine et il est temps pour moi de découvrir de nouveaux horizons, et pour ça je vais vous amener avec moi. En tout cas, je vous remercie à tous de regarder mes vidéos, de me soutenir depuis le début. Si je suis toujours là, ben c'est grâce à vous. D'accord ? Je vous remercie à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez m'apporter. Et puis à tous ceux qui ne sont pas abonnés, ben n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien supplémentaire. Et on est prêt à accueillir le plus de monde possible dans cette grande famille qui est la Solid Chib. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous. En tout cas, ça me fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.